Fiers et vaillants soldats d'Hyrule, le royaume est à présent menacé par un danger comme il n'en a jamais vu. Voilà déjà plusieurs années qu'une prophétie a annoncé la résurrection du fléau Ganon. Nous avons déterré les créatures divines et nos recherches sur les reliques ont bien progressé. Cependant, nous sommes bien loin d'être suffisamment préparés. Les monstres pullulent aux quatre coins du royaume, comme jamais auparavant. Les griffes de l'ennemi se rapprochent même du château d'Hyrule. Commençons par chasser les monstres qui infestent la plaine. Ce sera la première étape de nos nouveaux préparatifs pour affronter le fléau. Courage, soldats d'Hyrule. À présent, à l'attaque! Bonjour, on est parti pour un tout nouveau let's play. Alors, je vous dis, je tourne ça un peu en avance, on est sur la version démo de Hyrule Warriors Age of Calamity. Mais voilà, qui prendra en compte ma sauvegarde vu que c'est le début du jeu. Alors faudra que je revienne sur ce qu'on a vu. On a un fond vert toujours aussi qualitatif, ça c'est pour les Zelda. Hein. Et c'est parti. Oh le plaisir, ça quel plaisir, bordel de merde. J'ai beaucoup aimé le premier Hyrule Warriors. Parce que j'aime bien les Musso, ça me défoule. Et ZR. Ok. Et ouais, j'ai pas mal d'attentes pour celui-là. Puis bon, on est censé avoir une histoire qui nous raconte ce qui s'est passé avant Breath of the Wild. Alors le son n'est pas du tout trop fort pour moi. Faudrait que je le baisse, mais normalement pour vous c'est bon. Mais par contre, ouais, cette intro, alors, je suis curieux parce que ce petit gardien là qui remonte le temps, quel est l'intérêt? Je suis perplexe. Mais, ouais, allez, abaisser les grilles, ouais. Mais, bon, outre le fait, l'intérêt scénaristique du petit gardien, on va voir ce que ça raconte. Et là, c'est mon son qui est trop fort, en fait. Bon, allez. Let's go. On peut courir comme ça. J'ai loot des trucs, hein. C'est pas moi qui déconne, hein. Non mais je... Ouais, voilà. Les ennemis. À la recherche des ennemis. Sachant qu'il y a des Korugu dans ce jeu de mort. Hein. Non mais attendez. Non mais au secours. Ah, maintenez X à enfoncer après l'attaque. 2, 3, 4. Donc ok. Ah non, c'est ça. Ah mais non, c'est ça X. D'accord. Ouais. Bon, c'est le temps de me remettre le gameplay dans les pattes aussi. Et là, on a un premier mid-boss. Ok. Oh, je vais m'amuser, je sens. Ah, on peut se protéger? Allez. Ah, c'est X maintenant? Non, c'est juste une attaque de base pour achever l'ennemi, mais très bien. L plus B. Non mais je vais pas utiliser une pomme toute ma vie.
D'accord. Écoutez, ça me va. Attendez, ah ouais, mais j'ai un objectif en fait, moi. J'ai un objectif. Prenons-le. Commençons par là. Dès la chose à... Ah, touché. Ouais, voilà, bon là c'est prendre le contrôle du fort. C'est classique. Alors par contre, un jour j'apprendrai à viser. Hein. Non mais lock-le. Ouais non, je peux pas. C'est pas comme. Enfin. Pas juste se permettre de spammer pour les esquives, visiblement. Ah, j'avais B. Des coffres. Non, mais on a dit... Ah, je loot automatiquement. C'est bien. Cinématique. Ah bah ouais, tiens, il est là, lui. Sale bait. Sale bait. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici? À quoi tu sers? C'est la grande question. Alors non. Comment ça? Pas pendant la cinématique. Non mais, oui, alors, oui, soit t'as un rapport à voir avec les tours, mais... Sale bait. Bon, je cache la map, mais c'est pas grave. Je peux jouer Impa ou pas encore? Je sais pas si on peut la jouer dans la démo. La tablette Sheka, oui, quoi, la tablette Sheka. Allez, hop, petit strike. C'est brillant. Bon, c'est brillant, sauf quand on va geler des ennemis sans eau, mais bon, ça c'est un détail en vrai. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, faut que le jeu reste. Ah, paravoile. Au secours, je vois pas ce que je fais. PTDR, vous faites quoi là? D'accord. Écoutez, hein. Salut, hein. Ah, mais. Ah, là, il y a un truc. Là, il y a un abat de mob, là. Ok, c'est un fort. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a une barre de vie. Ah, les... Hein?
Bah ouais. D'accord. Ah, ouais. Non mais... Au secours. Ah, il va falloir que je change de manette, je sens, parce que j'ai un petit problème avec ma touche R sur cette manette-là. Mais du coup, c'est brise-garde. Parce que là, j'ai... Ah oui, non, mais là, j'appuie sur R, sauf que je suis en recharge. De toute façon, ce sera pas un problème, en vrai. Non, mais je voulais... Je voulais pas. Je voulais pas faire ça. Je le jure. Salut. Moi, je cherche les Korogus, hein. Pardonnez. Je vais finir par les trouver, hein. Par contre, ouais. Et Nono, il me suit, là, hein, le petit robot, là. Ah ouais. Superbe. Magnifique. Ok. Oh, démoline bleue. Ouais, taisez-vous. Alors... Ah mais c'est... Attendez. Non, c'est pas inversé. Mais... Qu'est-ce qui me pose problème? Pourquoi j'ai autant de mal avec cette visée? Ouais, parce qu'en fait, il faut pas forcément bouger tout le temps. D'accord. Ah ouais. Ils font ça maintenant. Ok. Non mais c'est original, hein. Après tout, nous aussi, on leur lançait des trucs. Ça me va, hein. Ça me va, ouais. Par contre, les combos, j'ai du mal à les passer. Paravoile. Ouais. Ouais. Non mais... Ça passe, hein. Ah oui, coup fatal. Après, moi, une de mes grosses attentes, d'ailleurs, vis-à-vis de ce jeu... c'est pas forcément... Enfin, il y a son scénario, d'une part, mais il y a aussi bah, les modes de jeu qu'il va proposer à part le scénario, quoi. Un sorcier de feu. Mais, arrêtez! Pourquoi il me bolosse à chaque fois, là? C'est gratuit. Ça me va pas du tout. Ah, attention. On va passer... Apparemment, si on passe en mode Naruto... D'après les trailers, c'est Naruto, hein. On est d'accord. Alors, je vais changer, hein. Mais deux secondes. Deux secondes. Deux secondes, là j'ai du monde. Ouais, t'as des possibilités de combo sympa, j'ai l'impression. Et paf. Alors. Non. ZR fait apparaître un symbole ennemi. Hein? Au secours! Nimpo! Clone à queue. Ouais, non, non, je. Écoutez, je comprends pas trop ce que je fais. Mais ça passe bien. Ça marche bien. Est-ce que j'ai été touché? Ah, elle a trois symboles! Donc là, j'utilise quoi? L'eau? Bon, elle va manquer l'impa de l'autre Hyrule Warriors, mais en vrai, elle est sympa, celle-là aussi. En vrai, c'est quand même sympa. Bah, c'est un peu... mince. Au secours. Shake. J'avais Trunks dans la tête. Pas trop Trunks, ça. Hein. Scanner. Bon. Alors, le bâtiment. Mais du coup... Non, mais...
comprends pas trop, hein, mais... Pas grave. Salut. Est-ce que je loot sur tous les ennemis, d'ailleurs? Mais... Ah oui. Au secours. Bon, j'ai attaqué, hein. Sachez-le, j'ai attaqué. Ok. Le truc, la musique qui pop tout 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 tout. Cette petite note vous a été donnée par un Korogu. Ouais, bon, elle sent fort. Ouais, ouais, super. Bonjour les Skulltula, quoi. Au revoir les Skulltula. Mais au secours! Non. Non, mais au secours! Et attention. Voilà, Nimpo. Absorbez 3 symboles ennemis pour intensifier votre coup fatal. Ouais, ouais. Ah oui, il se protégeait, ouais, c'est une touche, ouais. Non mais... Au secours, esquive! Je comprends rien. Je sais plus où je suis. Bah, elle a combien de combos? Au secours. C'est le temps de se faire au perso, c'est le temps de se faire au gameplay aussi, hein, mais... la situation est grave. Ah bah, Link! Link, c'est à toi. Il est où? Il est là. Non mais... Alors c'est pas ce que je voulais faire mais... Mais ça passe quand même. Ah bah, ah ouais. Plus donner des instructions aux alliés. L'onglet allié de l'écran du menu plus vous permet de donner des instructions à un personnage que vous ne contrôlez pas. Oui, ça c'est... oui. Oui. C'est comme dans... Comme dans, le, dans, dans l'autre quoi. Tu lui dis... Ah ouais, non, mais attends. Du coup, Impa... Ah ouais, elle a même son arme. Il y a un level up sur les armes aussi. Ah, c'est nouveau, ça. D'accord, donc ils ont... Il y a pas... Y a... C'est plus une idée de rang sur les armes, c'est une idée de... C'est une notion de... Comment ça... Hein? D'accord. Donc ouais, c'est une notion de level up d'armes. Atta. Ah, il faut que ça soit implémenté dans Breath of the Wild 2, hein, de détruire les camps comme ça. C'est peut-être un peu fumé. Peut-être pas juste avec un baril, quoi, mais... Ah, il y a du monde, là. Au secours. Mais... Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Non mais j'aurais réussi à passer une esquive quand même. Non. Attaque. Allez à l'attaque. D'accord. Bon. Ok. Ça viendra. Ça viendra petit à petit. Hein. J'essaie de me faire au timing, mais... ouais. De toute façon, je récupère les objets automatiquement, non? Mais attendez, la baguette de feu... Ah ouais! Ah, genre, j'ai ramassé une baguette de feu pour le combat, quoi.
Ah ouais. Ah ouais ouais ouais. D'accord. Ouais, tu peux mettre le feu. Ah ouais, c'est bien. Bon bah. Non mais. J'avais pas vu ce qu'il avait fait au début. J'ai plus de vie là par contre. En fait. Oui, alors oui, je peux faire ça, je sais. Non mais. Ça dirait pas de faire une attaque que je peux esquiver? Non. Non. C'est pas grave. Il faut autrement. Ah, c'est fini. Je peux plus attaquer, c'est fini. Profite un peu des décors. Ouais, c'était. Le chapeau a une meilleure tête, hein. Le chapeau, le château. Bon, sinon, il fallait lire les dialogues, hein, mais. Écoutez, voilà. Le château a été protégé, on level up. Combien d'armes j'ai là? Au secours. Ouais. Ah, mais ok. Ah, le remix est sympa par contre. Hein? D'accord. Non mais ok. Hein. En tout cas, on a obtenu des matériaux. Je n'ai aucun doute sur le fait que ça va nous être utile. Un mystérieux gardien. Une mystérieuse tour. J'ai beau réfléchir, je n'y comprends rien du tout. Mais qu'est-ce qui lui prend ? Hé ! Attends-nous ! Soldats, vous avez fait du très bon travail. Oh ! Te voilà. Tu es saine et sauve, les déesses soient louées. Oui, votre Altesse. Je vous apporte la tablette Sheikha de la part de Kua. Oh hein. Votre Altesse. Le gardien avait projeté un message sur la tablette Sheikha. Il y expliquait qu'il avait remonté le temps depuis le cœur même du fléau afin de sauver Zelda. Impa suggéra de charger les chercheurs en reliques, Prua et Pharas, d'étudier ce gardien, ainsi que la tour qui était soudainement apparue dans la plaine. Et le roi d'Hyrule approuva cette demande. En fait, il y a peut-être une explication toute con pour le petit gardien, mais on en parlera après. Déjà, cette tour là, cette tour elle a jamais été là, hein. Jamais eu tour ici. Link, chevalier Ilien, je t'ordonne de protéger cette mystérieuse tour, apparue soudainement. Elle sera un précieux avant-poste pour nos combats. De plus, tu devras déterminer avec l'aide des chercheurs si nous pouvons avoir confiance dans les pouvoirs du gardien inconnu qui a voyagé dans le temps. Ouais. Puisse la déesse Ilia veiller sur toi, Roam, Bosphame et Ramus, Hyrule. On n'a pas eu à monter la tour. Choqué des cieux.
Hein? Hein? Comment ça, la map, là? Link, chevalier d'Hyrule. Ce jeune homme issu d'une famille de gardes au service de la famille royale d'Hyrule est doté d'une grande force physique et d'un don pour l'escrime. Il ne ménage aucun effort et s'entraîne toujours avec diligence. Impa, magistrat adjointe d'Hyrule. Cette Sheikah est magistrat adjointe auprès du château d'Hyrule. Malgré son jeune âge, elle remplit ses fonctions avec une grande efficacité et Zelda a toute confiance en elle. Sérieuse et appliquée, il lui arrive parfois de se laisser aller à des moments de rêverie. Très bien. Score. Carte d'Hyrule. Utilisez la tablette Sheikah pour sélectionner votre destination. Résoudre des problèmes à travers le royaume d'Hyrule vous permettra de faire progresser les membres de votre équipe. Secours, je parle fort parce que, genre, le son est fort pour moi. Faut vraiment que je le baisse. Non, faut que je le baisse, j'ai dit. Voilà. Voilà, c'est mieux. Alors, ah oui, on a... D'accord, mais c'est pas fini, en fait, du tout. Hein? Atelier d'escrime. Nouveau combo pour l'épée à une main. Comment ça? C'est comme ça que ça fonctionne? Hein? Secours, au secours. Va-t'en, toi. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Un repas chaud. Capacité à cuisiner des plats débloqués. Recette de la viande vapeur. Pour devenir fort, il est crucial de bien s'alimenter. Le chef cuisinier des forces d'Hyrule vous a offert un récipient indispensable à la cuisine. Allumez un feu et ajoutez des ingrédients. Bon, on va faire ça. On livre les ingrédients. Vous avez cuisiné pour la première fois avec votre récipient, du feu et des ingrédients. Puis cuisiner un large panel de plats à tout moment. N'hésitez pas à retenter l'expérience. D'accord. Dégâts infligés plus 5%. Ok. Complicité des missions à Hyrule pour augmenter votre niveau de contribution dans chaque région. C'est Death Stranding. Venez en aide à plein de gens et vous rassemblerez des forces qui pourront être utiles pour la guerre. Promotion des plantes sauvages. Ouais, non, mais je peux pas. Je peux pas. Par contre, je peux faire ça. Moi, je veux le combo pour l'épée de main. Très bien. Voilà, oui, en fait, c'est pour ça que nos combos, ils sont dégueulasses. C'est juste parce qu'on les a pas améliorés. Bah oui, en fait, bien sûr. Évidemment. Ok. Donc, on a un nouveau combo. Ouais. Et on pourra encore en avoir un nouveau. D'accord, et là... oh là là, oh là 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 là, oh là là. Très bien. On va pouvoir faire joujou sur toute la map. Lure familiale au pays des neiges. Impact Cœur Max plus 1. Bah ouais. Bah ouais, mon gars. Voilà. ZR appliquait un symbole sur l'ennemi face à soi. Non mais ça, j'ai toujours pas compris. Hein. Des doubles apparaissent pour chaque symbole absorbé avec X. Ouais. Bon, en tout cas... On doit convaincre le monde, finalement, de partir en guerre. Si je comprends bien. Non. Et en fait, le petit gardien, il y a deux trucs. Soit il est pas canon. En fait, non, moi je suis toujours parti du principe quand ce jeu a été, depuis que ce jeu a été annoncé, que ce jeu était canon dans l'histoire. Le fait est que avec le petit gardien là qui remonte le temps, tu peux te poser la question. En fait, tu peux te dire mais ça se trouve, c'est une façon de nous mettre une happy end dans le jeu. Parce que bon, spoiler, normalement le jeu il est pas censé se finir bien. Hein. Le jeu c'est censé être un peu la mort à la fin. Mais du coup, est-ce que c'est juste que à la base Zelda aurait dû perdre et que le petit gardien est bel et bien remonté dans le temps, dans le lore du jeu, qu'il va lui arriver quelque chose parce qu'on le revoit pas là, donc bon, à moins qu'il soit resté avec Zelda tout le temps, voilà. Ou est-ce que c'est une façon d'avoir une happy end? Ça, on verra bien quand le jeu sortira, parce que bon, pour l'instant, moi, il n'est pas encore sorti. Je tourne ça pour diffuser ça le jour de la sortie du jeu, histoire de tranquille. Sauf que là, comme je vois qu'en fait, c'est pas fini, je me dis, bah en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer. On va continuer. C'est parti. On peut changer d'équipement. En sélectionnant l'équipe, vous pouvez choisir l'équipement des personnages de votre équipe. Oui. Oui. Donc là, par exemple, je peux dire l'épée de soldat, j'en veux pas. Moi, je veux... je veux une épée de soldat. Et toi, tu prends ce sabre. Ah, et au niveau des tenues.
C'est bon, on peut jouer. Ah, nickel. Ouais, ça, c'était une de mes interrogations aussi par rapport aux tenues de Link. Je me suis dit, mais est-ce qu'on va pouvoir le jouer en caleçon? Et oui. Incroyable. Ah bah, c'est parti, hein. Le caleçon de challenge est de retour. Hein. Ah, je peux mettre un plat. D'accord, j'applique le plat, ok. D'accord. Bon, je vais pas l'appliquer du coup, parce que bon, c'est le début, c'est le tuto, qu'est-ce qu'on... Hein, c'est bon. Intrigué hein par cet étrange gardien, Zelda, accompagnée de Link et d'Impa, se mit en route vers le laboratoire antique, où les attendaient Prua et Pharas. Mais des astuces. Hein? Pourquoi il y a des commentaires? Qu'est-ce que... Au secours? Qu'est-ce que c'est en bas, là? En bas à droite? En bas à gauche? Les astuces s'affichent sur tes écrans, vous seront utiles, on y étudie et... Alors voilà, superbe. Donc dans le laboratoire antique royal, on étudie les reliques antiques telles que les gardiens et les créatures divines. Beaucoup de Sheikah participent pour lutter contre le fléau. Donc on sait qu'il va y avoir le gang des Yiga. Mais appuyez deux fois rapidement sur B, que vous fassiez une paroi ou un objet qui se dresse devant vous pour rebondir dessus et flotter brièvement en l'air. Oui. On peut brûler un ennemi, oui. Oui. Oh bordel, ça compte la tenue dans les cinématiques. On va s'amuser, hein. Moi, je vais m'amuser. Je me demande bien pourquoi il me suit partout comme ça. Qu'est-ce que tu es au juste, hein? J'imagine que, tant que Pharas ne l'aura pas analysé au laboratoire, on n'en saura pas plus. Vous avez raison, vous, princesse. Bien joué, Link. Moi, j'aurais pas mise. Pourquoi ce gardien vous a-t-il attaqué? Oui, j'allais dire, c'est normal, ça, les gardiens? Déjà? Pas censé être. C'est pas censé être une attaque surprise, les gardiens? Voilà, ou alors ils faisaient des tests. Ganon faisait des tests. Bon bah c'est parti, hein. C'est parti. Parce que du coup, en fait, ça se trouve, c'est voilà, c'est le. Dans le lore, c'est vraiment le petit gardien qui a finalement créé les 5 prodiges. Ils sont peut-être dit, ah, il faut les prodiges pour ça. Après tout, peut-être, hein. On verra bien. On verra bien comment ça sera fait. Mais j'aimerais bien qu'il n'y ait pas une fin heureuse, quoi. Non mais, au secours! C'est bon, j'ai été invulnérable. Non mais... Ah oui, c'est vrai que j'ai un combo en plus. Non mais... J'ai quand même réussi à esquiver deux fois dans le mauvais sens, quoi. Mais attendez, moi je veux jouer Zelda. Est-ce qu'on peut jouer Zelda? On peut tous les tester. Oh, on va pouvoir jouer Zelda. À mon avis... Enfin, peut-être pas... Hein. Je sais pas si on pourra la jouer dans la démo, mais... Mais voilà. Bon, aider Zelda, ça devrait aller. Ouais, je vais avoir une nouvelle... Ah, bon bah attends deux secondes pour le Polaris, hein. Ah oui, ah, parce qu'il y a du métal, bien vu. Bien vu. Ah, ça c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois que j'utilise Polaris, mais... J'y arrive pas moi dans Breath of the Wild. Ça donne des résultats... mitigés. Ah ouais, tu peux les taper à l'infini. Ah ouais, c'est trop bien. Trop bien. Non mais, oh, toi, sale bait. Toi, sale bait. Ouais. Ah ouais, il m'a gelé. D'accord. Est-ce qu'il y a une notion de headshot?
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, sinon je fais ça. Sinon je peux faire ça. Voilà. C'est super efficace. Là, j'obtiens la baguette de glace. Ah oui, j'ai encore ma baguette de feu. Ah. D'accord, ça je le conserve. Ok, intéressant. Mais je vais pas... J'ai pas envie de l'utiliser, là. Bon, là, oui, peut-être. Non, mais... Faut tirer. On a tir. En fait, il y a un truc de perturbant, c'est... avec Link, j'étais très habitué dans, justement, dans... Hyrule Warriors, le premier. R plus B. Ah oui, parce qu'il a une arme en métal. Et paf, je vole ton arme, cher. Ah ouais, et en fait, il a l'air d'avoir un sacré souci du détail. Non mais arrête de faire n'importe quoi. Ouais, donc en fait, avec le Link dans Hyrule Warriors, le premier du nom, tu faisais 1, 2, 3, et tu faisais le Y, et ça te faisait un truc en l'air. C'était un coup trop fort. C'est un truc beaucoup trop fort. Et du coup, je suis habitué. Je suis tenté de faire ça à chaque fois. Sauf que ça n'est plus du tout la même chose. Si je veux m'élever en l'air, c'est le tout premier. Ça, c'est le 2. Ouais, 2, c'est bouclier. 3. Non, toujours pas. 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de... Je crois qu'il y avait un enchaînement après le quatrième. Bon, d'accord. Soit. Soit. Bon, il part. Voilà. Ah, salut! Il y a un bouton parade! Est-ce que je peux détruire ces papates? Éviter le combat? Ah! Ouais, ouais, ouais! Ouais, j'ai entendu parler de ça, ouais. Non mais... C'est trop dur. Oups, C'est bon. Non mais on est tous là. Oh, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait bip-bip? Je sais pas trop ce que je fais, hein, mais... Il est sympa son parabole en tout cas, il me parle. J'aime beaucoup. Par contre, ce serait bien. Il peut arrêter de spammer ses rayons là. Je sais que je suis pas censé le combattre, hein. Mais je peux. Du coup, je le fais. Je peux donc je le fais. Ah, mais j'ai détruit les papates. Ah, bah oui, tu peux détruire les papates. Alors, c'était pas exactement ce que je voulais faire. Voilà, c'était ça que je voulais faire. Vas-y, vas-y, attaque, attaque, attaque. C'était nul. C'était complètement nul. Ah, j'ai bientôt ma barre. Voilà. Effectivement. On fait pas beaucoup de dégâts. C'est vrai. Par contre, il a plus qu'une papate. Non, il a pas qu'une papate. Non, mais pour l'instant, ça passe. Moi, tant que ça passe. Alors. Voilà. Link, j'ai besoin de ton aide. Parce que, en fait... Ok.
après, il a pas l'air d'aimer les baguettes. Ah, mais je fais pas de dégâts. Non, focus-le, juste pour les dégâts ridicules qu'on lui met. Après, regardez, sa barre de coup fatal. Elle est à la moitié, comme sa vie. Ouais. Ouais, je l'ai pris, ouais. Non mais au secours. Parce que c'est 3 coeurs et demi qui m'a enlevé avec son coup. On est bien d'accord, hein. C'est pas une mind game. D'accord. Je savais pas que j'étais là mais d'accord. Finalement ce coup là il est pas mal, hein, le coup de bouclier là. À toi, Impa. Non mais je vais mourir. Hein. Y a une petite chance que je meure là. Parce que j'ai voulu faire ça, mais... Mais comprenez. Comprenez que Zelda, elle a eu le temps de s'enfuir au moins. C'est une diversion. Bien sûr. Popin ? Ah bah voilà. C'est bon. Ouais, alors c'est bon, c'est bon, j'ai plus qu'un demi-cœur quoi. Ah, après j'ai une technique. À la limite j'ai une technique de ce côté-là. Mais j'ai qu'un demi-cœur. Le problème c'est que j'ai qu'un demi-cœur. Eh ben non. Raté. Ah mais ça va être compliqué quand même. Hein. Ça va être compliqué avec un demi-cœur sur mes deux persos. Je crois que c'est... je sais pas si c'est pas mort, si jamais ils prennent... Je crois que non, Link est pas mort. Je veux bien le jeu, il me le redit au cas où. Hein. Au cas où j'aurais pas compris. Hein. Non. Voilà, comme ça au moins je prends aucun risque. Non. Non mais Impa elle m'a laissé tomber quoi. On en est là. Non. Non 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 non. Au secours. En fait à chaque fois qu'elle essaye d'absorber le symbole, elle se rapproche. J'avoue que... J'avoue que ça me plaît pas des masses. Allez, il est presque mort là. On y est presque, on y est presque. Je sais pas ce qu'on a la barre de coup fatal avec Link aussi. Non. Ouais. Non mais ça marche pas ça? Non. Impa, elle m'a abandonné. Elle m'abandonne à chaque fois. Saloperie. Bon, récupère de la vie. Pas moyen là. Peu de vie. Bon. Au secours. Allez, Link. Ah, mais je suis content. On peut rejouer Link en caleçon. Non, j'abuse pas du tout de cette technique. Parce que j'ai un demi-cœur. Et plus de vie. Non. Allez, allez, meurs, meurs, je t'en supplie, meurs. Meurs. Ah, je suis censé activer le gardien. J'ai hâte de regarder l'objectif. Bon. On a réussi.
Il avait pas l'air gros celui-là non plus, hein, de gardien. Il y a un alter ego à notre petit gardien. Bon, en tout cas, on a... Voilà. Comment ça, Zelda? Non, mais attendez, on pouvait jouer Zelda? Je l'ai pas vu. Gain d'expérience en combat plus 3. Huh. Huh. Ok. Et on récupère des recettes. Très bien. Des recettes, pas des plats. Bon, en tout cas, très bien. Ah ouais, j'avais pas vu le temps de l'épisode. Cinématique. Il utilise une énergie antique et une technologie encore inconnue. En d'autres termes, ceci est un type de gardien tout nouveau comme je n'en avais encore jamais vu. Sa capacité à amplifier la puissance des reliques comme la tablette Sheik n'est qu'une application de cette technologie. Je vois. C'est pour ça que même nous, avec la tablette Sheikha, nous avons pu... Il y a plus. Il renferme aussi une quantité d'informations dépassant de loin les limites de notre imaginaire. Coucou! Où est Titi? J'ai essayé de récupérer quelques-unes des images enregistrées dans ce gardien. Le retour des photos? Mais c'est... Oui, ça ne fait aucun doute. Ça ne peut être que le château d'Hyrule tout de suite après la résurrection du fléau. Même si nous avons pu en extraire des informations, une grande partie des données était corrompue. Cependant, si je continue à les analyser, je pourrais peut-être en apprendre davantage. Voilà donc ce qu'il adviendra de notre royaume quand renaîtra le fléau. Si cela devait se produire, nous ne pourrions plus rien faire pour Hyrule. J'ai peur que les mesures que nous avions envisagées jusqu'ici ne soient pas suffisantes. Si jamais je ne parviens pas à sceller le fléau... Non. Je dois à tout prix empêcher cela. Afin d'être en mesure de sceller le fléau Ganon, il allait falloir réunir la lame purificatrice, le pouvoir du sceau que possède la princesse d'Hyrule, ainsi que la puissance des quatre créatures divines qui avaient été déterrées aux quatre coins du royaume. Mais la forêt Korogu, où repose la lame purificatrice, était tombée aux mains des monstres. Tandis que le pouvoir de Zelda, la princesse d'Hyrule, ne montrait aucun signe d'éveil. Préoccupé par la situation, le roi décida qu'il fallait au plus vite réunir les pilotes des créatures divines. Il dépêcha, auprès des candidats choisis parmi leurs peuples respectifs, sa fille Zelda et Link, promu chevalier servant de la princesse, suite à la bravoure dont il avait fait preuve. Comptez-vous vous promener partout avec cette relique suspecte? Oui. Après en avoir discuté avec Proa et Pharas, nous avons jugé que c'était préférable. Je ne vous le dirai qu'une seule fois. Votre devoir doit être votre seule et unique priorité. Est-ce clair? Je suis consciente du rôle que j'ai à jouer, père. Je le remplirai sans faillir. Zelda, princesse d'Hyrule. La princesse d'Hyrule, qui a hérité de ses ancêtres le sang de la sacrée de la déesse, se passionne pour l'étude des reliques antiques éparpillées à travers le monde.
Depuis la mort de sa mère, elle poursuit un entraînement quotidien très rude pour éveiller en elle le pouvoir du sceau. Je suis très curieux hein, de savoir, voilà, comme je l'ai dit, si... Wow, on va se calmer le jeu. On va avoir des shows. Les pouvoirs des gardiens venus de l'avenir, hein? Hein? Les pouvoirs des gardiens venus du gardien venu de l'avenir ont ouvert l'accès à des champs de bataille dans une autre dimension. Vous pouvez prendre part à diverses batailles. Quoi? Quoi? Comment? Quoi? Ou alors le gardien, il est là pour qu'on rajoute des persos dans le jeu, sans que ce soit canon. je ne sais pas. C'est très perturbant, en fait, ce petit gardien. Est-ce qu'il va... voilà. Est-ce que c'est canon ou pas? Tout simplement. Les batailles et missions en Hyrule peuvent être affichées sous forme de listes séparées. Oui. Très bien. Lancer et se faire exploser. Essayer de maîtriser les bombes à distance tout en éliminant les monstres. D'accord. Mais attendez, mais c'est quoi ce truc à côté? C'est un truc de feu, là. C'est un sorcier de feu. Visite de marchands ambulants au relais. Au secours. Voilà, la version démo s'arrête. Très bien. Oui, non mais au bout d'un moment... Jusqu'où? Là, je pourrais... Ok. Du coup, les combats, j'ai le droit? Les combats, j'ai le droit. D'accord. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ouais, vas-y, aide les forgerons. Aide les forgerons, ouais. Très bien. Vous avez désormais accès à la guilde des forgerons d'Hyrule. Fusillez d'autres armes avec votre arme de base pour reforger cette dernière et la rendre encore plus puissante. Fusionnez d'autres armes avec votre arme de base pour augmenter le niveau de la puissance de cette dernière. Lors de l'opération, un saut des armes utilisé comme matériau peut aussi être transféré. D'accord, donc par exemple, si je fais ça... Ah oui, ou sinon... Si je dis, moi, je veux la vitesse d'attaque plus 3... Ah, mais c'est une épée de voyageur. Donc il faut impérativement que j'ai une autre épée de voyageur avec. Celle-là, elle fait quoi? Portée d'attaque plus 7. Bon, alors, admettons, je vais améliorer mon épée de soldat. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Je fais plusieurs sauts de même forme. Et les... Ok, donc tu peux stacker les effets infinis. Donc là, je fais ça. Et là, si je veux faire ça, et ça. Ça, je suis pas sûr. Ça, c'est pas clair, hein, je vous avoue. Ah, elle passe pas niveau... Ok. Ok. Bon, et très bien. Bon, on voit l'idée. Hein. Donc là, par exemple, c'est pareil. Je peux faire ça et mon sabre, il augmente de level. Ok. Très bien. Ça va être une façon, ça va être comme ça qu'on va améliorer nos armes, visiblement. Le petit gardien, il veut que je fasse quoi maintenant? Comme ça, on l'a fini. Ça? Temps limité. Comment ça? Ah. D'accord. Bon, ok. En tout cas, voilà. Nouveau combo pour la tablette de Sheikah, vas-y. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. J'ai réussi. En fait, c'est... D'accord. C'est un nouveau combo pour Zelda. Oh, je sens que... Ouais. Ok, bon très bien, je pense qu'on va s'arrêter là de toute façon, puisque j'ai pas envie que la vidéo... Enfin, en réalité là je pourrais... Hein, d'ailleurs c'est pas impossible que je fasse un petit peu des trucs comme ça, là, genre ça, là, que je le fasse quoi par exemple. Hein. C'est pas impossible que je fasse les petits niveaux annexes. Hein. Parce qu'on est d'accord que si je démarre ça, y a pas de lore, y a pas de scénario. Ouais. Ah, mon Link, il risque de rester comme ça un petit moment, hein, je vous préviens. Ah, mais attendez. Je ferai tout mon possible. Atta, vas-y. Non mais... Je ferai tout mon possible. Lance le jeu. Partir. D'accord, et c'est intéressant comment c'est mis en place au niveau du truc. Je trouve ça marrant le fait que du coup, il se TP... C'est comme si c'était aux différents points de la map, comme on le ferait dans le jeu de base. Les avant-postes, Cryonis,
Très bien. Mais c'est quoi les trucs en bas, là? C'est mes bonus. C'est les quêtes que j'ai fait. Je comprends pas. Esquive optimale, oui. Combat distance, non. Maintenez ZL, ok. Bon, très bien. En tout cas, voilà. Moi, j'ai très très hâte que le jeu sorte pour voir le découvrir en entier. Comme je l'avais dit, hein, là, le Let's Play Breath of the Wild est en pause. Le temps qu'on fasse ça. Une fois qu'on aura fini, on reviendra sur Breath of the Wild. On dira, alors ouais... Bon, du coup, en fait, ça dépendra du côté canon du jeu, hein. Mais on essaiera de voir s'il y a peut-être des petits détails, des trucs qui rentrent en compte. Et il n'y a pas de lore, donc je vais pouvoir m'amuser. Voilà. Donc si je suis un peu plus avancé en termes de level, j'essaierai de pas farmer comme un porc. C'est pour ça que j'ai aussi attendu un maximum de temps avant de faire la démo. Parce que je sais que moi, ça va beaucoup me hyper pour le jeu. Au secours! Qu'est-ce qu'elle fait? Non mais... Active... Oh! D'accord. Bon, en vrai, ça a l'air marrant. Ah, attends, par contre, je veux voir son paravoile. Non, mais... Au secours! Là. D'accord, super. Si j'appuie plusieurs fois, ça ne marchera pas. Ah non, mais sinon... Je fais juste ça. Voilà. C'était juste pour voir le paravoile de Zelda. Hein. Excusez-moi. Ok, bah, très bien. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à la prochaine pour la suite de notre let's play sur Hyrule Warriors Age of Calamity, l'ère du fléau. On verra bien comment l'histoire se profile. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ah oui, je suis censé éliminer les Bokoblins, oui. Aïe. Bon, ça va, ça fait pas trop de dégâts. C'est fini? Non, c'est pas fini. D'accord, bon, y a des objectifs. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à bientôt pour la suite, dans laquelle on continuera le lore de ce jeu. Après, je sais pas, comme je l'ai dit, j'espère qu'il y aura un mode aventure dans le jeu. Parce que, enfin, un mode aventure... Voilà, le mode carte, notamment de l'ancien Hyrule Warriors, était génial. Donc j'aimerais bien qu'il y ait à peu près autant de contenu, quoi, si vous voulez. Parce que, bon, c'est bien l'histoire dans les Musso, mais généralement, c'est aussi un bon moyen de se défouler, et c'est bien d'avoir des bonnes excuses pour se défouler que juste faire le scénario en boucle. Donc on verra comment c'est fait. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.